Patrick Gâteau. En 2005, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et déjà en campagne électorale, avait fait de cet homme un symbole de la faiblesse de la justice française à l'égard des récidivistes. Gâteau venait avec un complice d'assassiner Nelly Crémel, une mère de famille qui faisait son jogging, pour rien. Pas même pour la violer, pas même pour la voler, pour rien. Or, Gâteau avait déjà tué 21 ans plus tôt une autre femme, sans raison apparente, sans mobile, pour rien. Il avait été condamné à perpétuité et on l'avait laissé sortir après 16 ans de prison. À cette époque, tout le monde pensait sincèrement qu'il avait tourné la page. Il venait de se marier, un surveillant de prison était devenu son ami, les psychiatres lui ont fait confiance, les juges d'application des peines aussi. Personne ne pouvait penser qu'il allait récidiver. Même pas lui, peut-être. Juin 2005. L'adjudant Franck Flipeau prend la route de Reuil-en-Brie, en Seine-et-Marne. Un homme vient de signaler la disparition de sa femme. Il s'agit d'une dame d'une quarantaine d'années qui a disparu depuis la veille dans la matinée et son mari se montre particulièrement inquiet car il n'y avait aucune raison apparente qu'elle ne donne plus de nouvelles et qu'elle disparaisse de la sorte. Elle s'appelle Nelly Crémel. Elle n'était pas chez elle quand son mari est rentré du travail. Elle n'était pas là non plus quand leur fille est revenue de l'école. Ça fait 24 heures qu'elle n'a pas donné signe de vie. Et à la maison, rien ne manque. Les éléments découverts au domicile de la victime montrent que tous ses effets personnels se trouvent encore à la maison, son sac à main, la voiture, les clés de la voiture, la carte bleue. Donc rien ne laisse présumer effectivement qu'elle soit partie de son propre chef. Nelly habite là depuis plusieurs années, dans la grande banlieue parisienne. Un village de lotissement où elle vit avec son mari, militaire, et leur fille, de 12 ans. Sa disparition était vraiment incompréhensible. J'ai dit, c'est une femme comme elle, je ne vois pas pourquoi elle a disparu, surtout sa fille, sans sa fille, je ne pouvais pas la... Je ne pouvais pas le comprendre. Partir sans laisser trace ou un mot ou une explication, pour moi, ce n'était pas Nelly, ce n'était pas elle. D'autant que le jour de sa disparition, Nelly n'a rien changé à ses habitudes. Donc elle était partie à la gare le matin aux alentours de 6h, 6h30 pour emmener son mari qui travaille sur Paris à la gare. Ensuite, elle était revenue à la maison. Elle avait préparé le petit déjeuner de sa fille, elle l'avait emmenée au collège de la Rochefoucauld à la Ferté-sous-Jouarre. Elle s'était ensuite rendue chez le cordonnier pour emmener une paire de chaussures et elle était allée faire des courses au centre commercial Leclerc. On sait qu'un peu avant 10h, Nelly est rentrée chez elle, avant de ressortir quelques minutes plus tard pour son footing quotidien. 10 km tous les jours sur les petites routes de campagne autour de Reuil-en-Brie. C'est sur cette route que la jeune femme a été vue pour la dernière fois. Plusieurs personnes, soit qui jardinaient ou qui bricolaient dans le jardin, la verront passer ou l'apercevront. Ils l'appelaient la dame blonde qui courait, en fait. Et ils avaient l'habitude de la voir passer tous les jours. Le problème, c'est que personne n'a vu Nelly revenir de son footing. Le parquet de Meaux ouvre une information judiciaire qui mobilise d'énormes moyens de recherche. J'étais chez le boucher, à la Ferté-sous-Jouarre, et j'ai vu un hélicoptère qui avait une attitude bizarre. Un hélicoptère qui décrit des carrés, c'est rare. Et j'ai le petit radar qui s'est mis en route. J'ai téléphoné à ma collègue qui était de permanence, puisque moi je n'y étais pas, en lui disant, il y a un hélicoptère qui a une attitude bizarre au-dessus de la Ferté-sous-Jouarre, il faudrait que tu creuses... C'est peut-être rien, puis c'est peut-être bon. La presse sent tout de suite la bonne histoire. Deux jours plus tard, la disparition de la joggeuse fait la une de tous les journaux.
En Seine-et-Marne, la disparition d'une mère de famille. On est sans nouvelles de cette épouse d'un commandant de l'armée de terre depuis jeudi. Une enquête pour enlèvement est ouverte. Des centaines de gendarmes sont mobilisés. Les recherches se concentrent sur le parcours qu'a emprunté Nelly et les nombreux bois alentours. La gendarmerie lance toujours un appel à témoins. Cette jeune femme mesure 1m65. Elle est vêtue d'un t-shirt blanc, d'un short noir et de baskets bleues. Des recherches difficiles. Des puits, des trous d'eau jalonnent le secteur. Même la garde républicaine est mobilisée. On voit s'installer un dispositif très très important. Il y a des véhicules de gendarmerie partout. Sur le stade en face, il y a un hélicoptère qui va, qui vient, qui se pose, qui repart. Il y a des groupes de gendarmes qui tournent dans tous les sens. On voit que des voitures bleues dans la Ferté-sous-Jouarre et dans Reuil-en-Brie. Et en parallèle de ça, j'ai souvenir qu'il y avait le mari de la victime et ses amis qui organisaient, en accord avec les gendarmes, leurs propres recherches et qui balayaient des zones, qui se partageaient en fait plus ou moins le travail avec les gendarmes. Et vous êtes nombreux comme ça à aider les forces de police? Hier, il y avait une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, je pense une trentaine. Les recherches sont d'autant plus actives que Nelly est la femme d'un commandant de la DGSE, un agent des services secrets français. Pas banal. Le fait que son mari soit militaire à la DGSE, c'est un petit truc que personne n'a vraiment fait mousser, que, sur lequel tout le monde est resté, me semble-t-il, relativement prudent, mais c'est un petit truc qui fait qu'il y avait malheureusement un intérêt, un mystère encore plus important. Colonel Guérin, à l'époque, vous dirigez la section de recherche de la gendarmerie de Paris. Quelles sont vos hypothèses au tout début de cette enquête pour disparition ? Lorsqu'on prend cette affaire en cours le vendredi dans l'après-midi, toutes les hypothèses sont ouvertes à ce moment-là, depuis la fugue volontaire de Mme Crémel jusqu'aux hypothèses les plus criminelles, en passant par éventuellement les accidents de la route ou les accidents sportifs. Donc vous vous intéressez à quoi pour essayer d'avancer ? Et bien dans un premier temps, outre les recherches opérationnelles sur le terrain pour retrouver Mme Crémel, on s'intéresse naturellement à sa vie. On commence à fouiller dans son environnement, le sien, celui de sa famille, celui de son mari, et puis ses amis. Et vous découvrez quoi, là ? Et là, on découvre un certain nombre de rencontres, un certain nombre de gens qui fréquentent cette famille, un certain nombre d'hypothèses de travail, et plus le temps va passer, plus les hypothèses vont être multipliées. Vous perquisitionnez chez les Crémel ? Dès le premier soir, dès le vendredi soir, afin de fermer une première porte et de trouver des éléments intéressants et récupérer l'ADN de Mme Crémel, on effectue une perquisition du domicile du couple. Il n'y a rien qui vous paraît louche ? Dans la perquisition de la maison, rien n'apparaîtra comme étant louche lié à la disparition de Mme Crémel. Le fait que son mari travaille pour la DGSE, c'est une piste, non ? Ah ben le travail de M. Crémel est forcément une piste, puisqu'on ne peut pas exclure d'entrée de jeu l'hypothèse d'un règlement de compte entre services secrets qui ferait payer une affaire à la France. Et là aussi, on fermera la porte très rapidement. Les jours passent. Il y a peu d'espoir de retrouver Nelly vivante. Pourtant, les recherches continuent. Inlassablement, les enquêteurs et la famille font et refont le parcours emprunté par la joggeuse. À la Ferté-sous-Jouarre, les gendarmes interrogent aussi les commerçants qui l'ont vue le jour de sa disparition. Et on nous apprendra donc au centre commercial de Claire, elle a été importunée récemment par un monsieur qui circule dans un véhicule Audi de couleur grise. Une voiture grise. C'est la première fois que les gendarmes ont une piste. Très vite, ils identifient son propriétaire. L'homme est connu pour avoir importuné d'autres femmes dans les environs de la Ferté-sous-Jouarre. Certains disent qu'il a un regard vicieux. C'est un monsieur qui est connu pour, entre guillemets, taquiner les dames qu'il peut rencontrer, notamment aux abords des centres commerciaux. Il est connu pour déjà avoir laissé des petits mots sur les pare-brises. Donc rien de bien méchant, mais bon, dans le contexte où on se trouve et comme toutes les hypothèses sont ouvertes, on peut imaginer que cette personne ayant déjà laissé un courrier sur le pare-brise de Mme Crémel était amenée à la rencontrer, éventuellement à l'enlever, à la séquestrer
Donc c'est vrai qu'on s'intéresse énormément à lui. Cette Audi grise, des témoins affirment l'avoir vue circuler sur la route empruntée par la joggeuse. C'est peut-être pas une coïncidence. Le suspect est arrêté, placé en garde à vue. Mais au bout de 48 heures, la piste s'effondre. Les constatations sur les véhicules, les différents prélèvements, les vérifications d'emploi du temps démontreront qu'il ne pouvait pas être impliqué dans la disparition de la victime. Un coup dur. Il faut tout reprendre à zéro et l'annoncer aux journalistes. 8 jours après la disparition de Nelly, les gendarmes organisent une conférence de presse à la mairie de La Ferté-sous-Jouarre. Mais au bout d'une demi-heure, les journalistes sentent qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et moi, j'ai souvenir très clairement qu'il y a eu un moment dans la conférence de presse où on a donné un téléphone au chef d'enquête, où ils ont discuté entre officiers, où il y a eu une sorte d'agitation microscopique des officiers de gendarmerie. Au fond de la salle, l'adjudant Flippo vient de recevoir un coup de téléphone. On m'a informé que la découverte d'un cadavre, visiblement d'une femme, pouvant correspondre au signalement, avait été découvert à proximité. Un cadavre. Les gendarmes font tout de suite le rapprochement avec la joggeuse. Mais ils décident de garder le secret. Sans en dire un mot aux journalistes, ils se rendent sur place, dans le bois du Tarterel. Quand elle faisait son footing, Nelly Crémel passait à moins de 2 km. Le cadavre se trouvait ici, recouvert de branchages et d'un pneumatique, la tête étant située au niveau des rondins et les pieds donc à l'opposé. C'est un ami de M. Crémel qui a découvert le corps. Et les gendarmes n'ont pas de doute. C'est Nelly. On découvre des baskets donc, qui correspondent à la description de la victime, son short et également une alliance au doigt où est marquée l'inscription Christian et la date du mariage. Nelly a été assassinée. Alors les premières constatations, c'est une blessure au niveau de l'abdomen, ainsi qu'au niveau de la main, où visiblement, dans un geste de défense, elle a reçu un impact de balle. En fait, l'autopsie révèle qu'elle a reçu 2 balles et qu'on lui a fracassé la tête avec une rare violence. On sent un acharnement de la part du ou des auteurs sur la victime, ou en tout cas des difficultés, soit à la faire taire ou en tout cas à la faire à la tuer. Le bois du Tarterel est bouclé. Les gendarmes contrôlent tous les automobilistes qui passent à proximité. Chez les habitants du coin, ça ne passe pas inaperçu et ça délie les langues. Colonel Guérin, l'enquête va avancer grâce à un témoignage. C'est quelqu'un qui vient vous voir, qu'est-ce qu'il vous dit et qui est cette personne? Alors en fait, on va recueillir un témoignage très intéressant dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, lorsque le corps a été découvert de Mme Crémel, automatiquement les médias, évidemment, ont refait un coup de projecteur et d'actualité sur la découverte de ce corps. Cette découverte du corps va entraîner des remords chez une personne. Cette personne va s'en ouvrir à des amis à elle, et puis les amis viendront s'exprimer à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent dire simplement qu'un de leurs amis, qui se prénomme Serge Maté, s'accuse d'avoir commis le meurtre de Mme Crémel, en compagnie d'une personne qu'il ne dénomme pas à ce moment-là. Et les témoignages que nous donnerons, les précisions que nous donnerons ces gens-là, éléments qui ne sont pas sortis dans la presse à ce moment-là, nous permettront de crédibiliser cette version très rapidement. Alors, ce Serge Maté, qui est-il? J'imagine que tout de suite vous tournez vers lui. Alors, le travail dans la matinée du dimanche, hein, une fois qu'on a recueilli cette déposition, ça va être naturellement d'environner Serge Maté. On ne le connaît pas, nous, Serge Maté, il n'est pas connu des fichiers. On va rapidement l'identifier comme étant quelqu'un qui zone un petit peu dans le secteur, qui habite sur Rebet, qui n'a pas de gros boulot, pas de grosse activité, pas très connu. On va l'environner et on l'interpellera le dimanche après-midi.
Et il est placé en garde à vue. Il est placé immédiatement en garde à vue et il passera aux aveux extrêmement rapidement. C'est un jeune homme un peu perdu que les gendarmes ont face à eux. Serge Maté, 28 ans, maçon. C'est la première fois de sa vie qu'il se retrouve en garde à vue. Il tremble, il pleure, il se ronge les ongles. Enfin, on sent vraiment quelqu'un d'anxieux, de pas bien dans sa peau. On sent qu'il va pas bien, qu'il vit très mal, les événements et qu'il a besoin de parler. Et c'est un poids trop dur pour lui. Je crois même qu'il nous avouera d'ailleurs avoir dénoncé les faits à ses amis pour que justement le dénonce lui, parce que lui n'avait pas le courage de le faire et quelque part il souhaitait que ça arrive, enfin, qu'il se fasse arrêter. Serge Maté n'en peut plus. Il craque au bout d'une heure. Oui, il a enlevé et il a tué Nelly, mais il n'était pas seul. Il va reconnaître qu'il était présent au moment des faits et nous avouer qu'ils étaient deux. Pour tuer cette personne, et il va nous dénoncer son complice comme étant le nommé Gâteau. Patrick Gâteau, un copain de Serge Maté, un homme de 50 ans qui vit avec sa femme à Rebé, tout près de Reuil-en-Brie. Pas de travail fixe, il vit de petits boulots. Le 12 juin 2005, les gendarmes l'interpellent à son domicile et le placent en garde à vue. Il nous prend d'une manière un peu hautaine. Bon, on sent déjà que c'est pas du tout le même homme que Maté, qu'il est beaucoup plus mûr, bon, il est plus âgé, mais surtout, on sent pas une expérience, mais en tout cas quelqu'un qui a déjà vécu et qui sait en gros comment ça se passe. Car contrairement à son copain Serge, Patrick Gâteau a une longue habitude des gendarmeries. Depuis l'âge de 18 ans, il fait des allers-retours avec la prison et il a déjà tué une femme il y a 15 ans. Pour ce meurtre, il a été condamné à perpétuité. Il est sorti il y a à peine 2 ans. Et il est toujours sous le régime de la conditionnelle. Colonel Guérin, Patrick Gâteau est donc placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il coopère autant que l'a fait Serge Maté avant lui ? Alors, pendant 24 heures environ de garde à vue, les 24 premières heures, Patrick Gâteau ne va pas coopérer. Il va dénier effectivement la version qui nous a déjà été livrée par Serge Maté. Et au bout de 24 heures, devant l'accumulation des contradictions, l'accumulation des éléments que nous recueillons dans la garde à vue, qui se déroule en parallèle, celle de Serge Maté, au bout de 24 heures, dans le lundi après-midi, il commencera à passer aux aveux. Il dit quoi ? Eh bien, il va nous raconter une version qui sera extrêmement proche de celle de Serge Maté, à l'exception du dénouement, naturellement, puisque les deux auteurs se renverront, si vous voulez, pendant longtemps, la version du dénouement sur qui a tenu le fusil et qui a donné les coups de bâton. Maté, il disait quoi, déjà, pour mémoire ? La version de Maté était très simple, hein, c'était Gâteau qui a donné les coups de fusil et c'est Gâteau qui a tapé avec les bâtons. Et lui, Maté, il faisait quoi ? Et lui, Maté, il l'observait impassible, ne pouvant pas réagir face à la violence que déchaînait Gâteau. Et les raisons ? Qu'est-ce qu'il a dit, Maté, sur les raisons ? Alors, la raison était un mobile purement d'ordre financier. Vous avez besoin d'argent. Ils étaient à la recherche d'argent. Ils avaient tenté un cambriolage le matin qui avait échoué, ayant été mis en fuite par un chien dans une propriété. Et donc, croisant cette joggeuse qui courait avec un sac banane, ils ont pensé qu'elle avait soit sa carte bleue, soit des clés, soit de l'argent. Et ils ont décidé de l'enlever pour cette raison-là. Et alors, sur la manière dont ça s'est passé après, qu'est-ce qu'ils racontent tous les deux ? Eh bien, quand ils ont enlevé Mme Crémel, ils l'ont fait monter dans la voiture. Ils ont ouvert son sac banane. Ils se sont aperçus qu'elle ne contenait ni argent, ni clé, ni carte bleue, qu'elle avait simplement un petit Walkman à cassette qui lui servait à écouter de la musique pendant son jogging. Ils ont donc décidé d'aller chez elle pour cambrioler la maison en sa présence. Et quand ils sont passés devant la maison, il y avait du monde dans la rue, des voisins. Donc ils n'ont pas pu s'arrêter. Ils ont donc poursuivi leur chemin et ensuite, ils étaient coincés. La voiture appartenait à Gâteau. Elle était immatriculée à son nom. Il était en libération conditionnelle. S'il libérait Mme Crémel, il nous aurait fallu moins de 3 heures pour revenir sur eux. Donc la nécessité est intervenue de la tuer. La nécessité pour eux, c'était de la tuer. Les obsèques de Nelly Crémel à la Ferté-sous-Jouarre. Il y avait beaucoup de monde, les gens sont venus. Il a fait beau ce jour-là, il faisait beau. Et on a vraiment prié pour elle. J'ai pas arrêté de regarder sa fille, ses parents, son mari.
Et il n'y avait pas de mots, hein. C'était trop... C'était pesant. Quelques minutes avant la fin, le ministre de l'Intérieur s'invite à la cérémonie. Et donc Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, est arrivé juste au dernier moment. Et il est reparti tout de suite après la fin de la cérémonie, avant que tout le monde ne sorte. Il ne s'est pas exprimé du tout et il est reparti comme il était venu. Le ministre Sarkozy est venu montrer qu'il était plus que jamais du côté des victimes. Il reçoit aussi personnellement M. Kremel dans son bureau de la place Beauvau. Et quelques jours plus tard, à l'Assemblée nationale, il en fait un problème politique. Monsieur le député, je vous en prie. J'ai reçu ce matin M. Kremel et je pense qu'il n'y a personne qui peut sourire à l'évocation de ce drame. Sur les deux auteurs présumés contre lesquels pèsent des charges très lourdes, l'un des deux a d'ores et déjà été condamné à 12 reprises pour des faits d'agression avec violence physique. Et mieux, en 1990, il a été condamné pour un homicide. Il a été condamné à perpétuité et relâché en 2003. Je ne peux imaginer que sur aucun banc de cette assemblée, cette situation ne pose pas de question. Cette prise de position du ministre de l'Intérieur fait basculer l'affaire. Ça change tout parce qu'on passe d'une affaire où on vient d'arrêter deux meurtriers présumés d'une femme, meurtre crapuleux, pas crapuleux, vol qui dégénère, on sait pas trop. Donc d'un fait divers qu'on pourrait dire dramatique mais classique, à une affaire qui soulève plein de problèmes politiques, juridiques, où on arrête, parmi les deux personnes, un meurtrier déjà condamné à perpétuité qui a été libéré et qui refait la même chose. Tous, qui que nous soyons, à gauche ou à droite, nous sommes en droit de dire que les droits de la défense ne doivent pas bafouer les droits de la victime. Et lorsque M. Kremel m'a posé la question « Comment l'État peut-il relâcher un monstre ?», que dois-je répondre ? La remise en liberté de Patrick Gâteau il y a 2 ans est parfaitement légale. Mais la politique a pris le pas sur le fait divers. La presse ressort alors la première affaire Gâteau, celle de cette femme qu'il a assassinée à Lyon. Philippe Corroy, vous le connaissez bien, ce Patrick Gâteau qui est au centre de la polémique, puisque c'est vous qui avez instruit la première affaire Gâteau. Vous pouvez nous rappeler l'histoire ? C'est une femme de 49 ans, une veuve, qui, le 1er juin 84, revient de sa maison de campagne qu'elle vient de vendre avec son fils. Et puis, elle dit à son fils, ben, je vais ranger la voiture qui est restée stationnée sur le parking, mal stationnée sur le parking. Et au bout de quelques instants, son fils regarde par la fenêtre, s'étonne que sa mère ne soit pas remontée, et la R14 n'est plus sur le parking, sa mère est introuvable. Il va donc prévenir les policiers, et une semaine après environ, on va retrouver le corps de Madame Brendley dans une décharge de Chaponneau, avec 2 impacts de fusil de chasse, je crois. L'enquête du juge Courroy à l'époque, en 87, avait conduit à 2 hommes. Un certain Christian Gay, l'amant de la victime, et son copain Patrick Gâteau. Gay avait avoué qu'ils avaient tué Janine Brendley pour lui voler sa voiture. Ils en avaient besoin pour aller au Sainte-Marie de la Mer. Ni l'un ni l'autre n'avait de voiture. Ils ont décidé d'emprunter la R14 de Janine Brendley, quitte à la tuer, pour qu'elle ne parle pas. Et ce meurtre ressemble beaucoup à celui de Nelly Kremel, une femme tuée dans un bois par 2 complices et une arme à feu. Et pour rien, ou presque. En septembre 90, Patrick Gâteau et Christian Gay avaient été jugés devant les assises du Rhône. Pour le meurtre de Janine Brendley, les 2 hommes risquaient la perpétuité. Mais dans ce dossier, Gâteau clamait qu'il était innocent. Patrick Gâteau était dans une dénégation totale.
puisque jusqu'à la fin, il a maintenu que les coups de feu mortels qui ont tué la victime ont été tirés par son comparse. Et il est resté de bout en bout dans cette position d'évitement, dans cette position de retrait. On sentait véritablement que Patrick Gâteau n'avait pas du tout l'intention de se livrer. Face à la cour, il avait déroulé sa version des faits. Confirmé que le soir du meurtre, lui et Gay avaient besoin d'une voiture pour aller au Sainte-Marie. C'est pour ça qu'ils avaient décidé d'emprunter celle de Janine Brindley, la maîtresse de Gay. Il l'avait attendue sur le parking de sa résidence à Sainte-Foy-lès-Lyon. Gay avait contraint sa maîtresse à monter avec lui dans la voiture. Comme convenu, il avait retrouvé Patrick Gâteau un peu plus loin, armé d'un fusil à pompe. Contrainte et forcée, Janine Brindley avait pris la route, le ton était monté, elle avait pris peur et refusé de leur laisser sa voiture. C'est là que les deux hommes avaient décidé de l'abandonner sur un chemin isolé, de la ligoter à un arbre. Patrick Gâteau affirme qu'il est resté dans la voiture pendant que Christian Gay l'a ligoté. Il a entendu un coup de feu. Gay venait de tirer sur sa maîtresse. Les deux hommes avaient alors pris la fuite, abandonnant Janine Brindley. Mais l'autopsie avait démontré qu'il y avait eu un deuxième tir mortel, celui-là. Explication de Gay, c'est Gâteau qui a achevé Madame Brindley pour la réduire au silence. Pour une voiture. Quand on est obligé de tuer un témoin gênant parce que l'élimination physique peut apparaître pour certains comme le seul et exclusif recours, on discute. Mais là, en l'espèce, décider d'aller emprunter la voiture de sa maîtresse et pour être certain que la maîtresse ne parlera pas, eh bien, on la supprime. On arrive quand même à quelque chose d'assez inouï. C'était presque de l'irrationnel. À ce stade du procès, la seule chose qui pouvait aider Patrick Gâteau, c'était l'examen de sa personnalité. Mais il avait refusé de raconter sa vie. Il avait des éléments qu'il aurait pu faire ressortir, notamment cette jeunesse extrêmement difficile avec un père et une mère qui présentaient des carences éducatives évidentes, un père éthylique. Patrick Gâteau quitte l'école très tôt, à 14 ans. Il vit à la campagne et se met à chaparder dans le voisinage. Quand on avait besoin d'un vélo ou d'autre chose, mon frère et moi, nous le volions. Nous n'avions pas le moyen de l'acheter. Sa tante raconte que sa mère n'arrivait pas à le tenir. Il était toujours en vadrouille avec son frère. Ils ont fait une mauvaise réputation à la famille. Et elle ajoute, il a reçu trop d'amour, pas assez de fessées. Plus tard, à Lyon, Gâteau fréquente les petits voyous de son quartier et multiplie les larcins. En 75, à 18 ans, première condamnation et première incarcération pour coups et blessures. Les années passent, les infractions s'aggravent, les condamnations s'alourdissent. Dans son réquisitoire au procès du meurtre de Madame Brindley, le procureur View réclame la perpétuité pour Gâteau. Mais il lui laisse l'espoir de ne pas finir ses jours en prison. Je me souviens très bien m'être adressé directement à lui en lui disant « Patrick Gâteau, vous avez 27 ans. Je veux croire encore en l'homme. Vous avez encore la possibilité de faire de votre vie autre chose qu'un fantôme aux mains vides. » Je me souviens bien du propos que je l'avais tenu et volontairement, je ne réclame pas une peine de sûreté particulière. « Alors bien sûr, me dira-t-on, vous avez pris un risque. » Et je réponds immédiatement « Mais alors, si nous ne prenions pas ce risque, eh bien nous ne pourrions jamais donner une chance à quiconque de pouvoir faire un chemin vers le réapprentissage de la liberté. » Le 2 octobre 90, Patrick Gâteau et son complice sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, sans peine de sûreté. La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général. Patrick Gâteau est d'abord incarcéré quelques années à la centrale de Moulins, dans l'Allier, puis il est transféré en Alsace, à la centrale d'Ensisheim,
où il devient un détenu modèle. La maison centrale d'Ensisheim. Cette prison n'accueille que de très longues peines. Derrière ces murs, la majorité des grands tueurs français. Patrick Gâteau y est transféré en octobre 93. Il s'intègre sans difficulté. C'était quelqu'un de sans problème. Pas de rixe, pas de violence, rien. À Ensisheim, Patrick Gâteau travaille aux cuisines. Sous la responsabilité du chef, il prépare les repas des 260 détenus de la prison. Et il le fait avec une très grande application. J'ai trouvé en Gâteau quelqu'un de sérieux, hein, de responsable, travailleur, voilà. Moi, je ne l'ai jamais vu, par exemple, s'engueuler avec un détenu en cuisine. Hein. Je n'ai pas souvenance. Hein. Donc, il a toujours été correct, même avec le co-détenu, comme avec le personnel de surveillance ou avec moi-même. Patrick Gâteau donne aussi régulièrement des coups de main à l'entretien de la centrale. Les surveillants l'aiment bien. Il devient même l'ami de certains d'entre eux. Quand on lui proposait de faire un travail ingrat, il le faisait. Qu'aucun détenu voulait le faire, lui se proposait de le faire. Des tâches qui étaient difficiles, par exemple monter sur les toits pour changer une tuile, mettre du grillage sur les toits, des trucs, nettoyer les gouttières, ça c'était un boulot ingrat que personne ne voulait faire. Alors lui, il le faisait, il se proposait. Au niveau de la direction, il était... Il était bien noté, oui. Comme, je ne vais pas dire comme détenu modèle, mais presque, oui. Et Patrick Gâteau se trouve une nouvelle passion, le dessin et la peinture. Il offre même des tableaux aux surveillants. Mais son principal soutien vient de l'extérieur. Elle s'appelle Annick. C'est une infirmière à la retraite. Elle a 20 ans de plus que lui. Et rend visite à Patrick Gâteau, comme on le voit sur ces images tournées lors d'un documentaire sur la centrale. Tous les deux se sont connus grâce à une association de détenus. Annick venait le voir toutes les semaines à Ensisheim. Ils sont tombés amoureux et ont annoncé leur mariage. Ben c'est en cuisine qui me dit tout simplement, j'ai dit je vais me marier et j'aimerais bien que vous soyez mon témoin de mariage. Le mariage de Patrick et d'Annick est célébré en 1998 à l'intérieur même de la prison par un élu d'Ensisheim devant les employés de la prison et les témoins des mariés. Il était très souriant, puis elle aussi, sa femme, sa future femme, tout ça. Ça s'est très bien passé, et puis après la cérémonie, ils se sont donc embrassés, comme un couple de jeunes mariés, et après un petit vin d'honneur a été servi, vin d'honneur, si je peux dire, basé sur le jus de fruits. Quand ils se marient, ça fait 11 ans que Gâteau est en prison pour le meurtre de Jeanine Brenley. Condamné à perpétuité, il sait qu'il ne lui reste que 4 ans à attendre avant de déposer une demande de libération conditionnelle. Il sait aussi qu'une femme qui l'attend à la sortie sera un atout. Alors était-il sincère en épousant Annick ou calculateur ? Il était heureux d'attendre, par exemple, le week-end, le samedi ou les dimanches, pour passer une heure ou deux avec son épouse, au parloir. Il était heureux. On ne pouvait pas dire que c'était une contrainte. L'amour de Mme Gâteau était tellement fort, de toute façon, qu'il emportait tout. Et comme Patrick n'avait que des mots extrêmement délicats à l'égard de sa femme, pourquoi douter ? En avril 2002, ça fait 15 ans que Patrick Gâteau est détenu. Il peut enfin déposer sa demande de libération conditionnelle. Il a un bon dossier. À un détail près, il persiste à nier le crime pour lequel il a été condamné. Qu'il a toujours devant moi nié les faits qui avaient amené sa condamnation. Il était totalement dans le déni.
Et les détenus qui ne reconnaissent pas leur crime ont peu de chances de voir leur demande de libération aboutir. Et d'ailleurs, la première requête de Patrick Gâteau est rejetée. Il reste en prison. Cette première décision est assez pertinente parce qu'elle prend acte de son comportement exemplaire, de ses études, de tout ce qu'il a fait, des fresques, de son travail d'animation, de son sens de l'autre. Mais elle dit qu'il faut qu'il continue sur son travail psychologique sur lui-même. Un an plus tard, en 2003, Patrick Gâteau dépose une nouvelle demande de libération conditionnelle. Et cette fois, elle est acceptée. Condamné à perpétuité, il sort donc au bout de 16 ans. Et c'est cette décision qui fera scandale 2 ans plus tard, au moment du meurtre de Nelly Kremel. Philippe Courroy, fallait-il libérer Patrick Gâteau, condamné à perpétuité après 16 ans de prison ? Ce que je pense, c'est que la libération de Patrick Gâteau, que je ne connais pas les tenants et déterminants de cette libération, elle est bien évidemment intervenue au terme d'un processus légal et législatif qui devait tout à fait rentrer dans les dispositions des textes. Ce que je pense, c'est que confronté à des décisions de cette nature, il faut se livrer à une analyse extrêmement fine pour être en mesure d'apprécier la dangerosité de l'intéressé et donc l'éventuel risque de récidive. Et je crois que dans ce contexte, ce qu'il faut faire, c'est revenir aussi au dossier qui a conduit à la condamnation. Revenir aux faits. Revenir aux faits, revenir à la personnalité, revenir aux expertises psychiatriques, parce que le dossier, dans sa globalité, il dit des choses. Il dit des choses. Même 16 ans après. Oui, et c'est si vrai quand même que Patrick Gâteau va récidiver, je ne sais pas combien de temps après sa sortie, 18 mois ou 2 ans, ce qui démontre quand même objectivement qu'il était resté dangereux. Et je pense que c'est ce que le ministre de l'Intérieur avait voulu indiquer lorsqu'il avait pris la parole à l'époque. Alors Dominique Rizet, comment a été prise la décision de remettre Gâteau en liberté, de lui offrir une conditionnelle? D'abord, qui a pris la décision? La décision, elle a été prise par un collège de magistrats, 3 juges, 1 président, 2 assesseurs. C'est une décision collégiale. Alors, comment ça se passe? C'est un tribunal qui se réunit à l'intérieur de la prison, la centrale d'Ensisheim, dans un endroit qu'on appelle le prétoire, un vrai tribunal. Les magistrats vont vérifier 2 choses. Il faut que les conditions légales soient remplies. Pour lui, est-ce que le condamné est dans les délais? Oui, Gâteau est dans les délais, parce qu'il a fait au moins, sur une perpétuité, 15 ans. D'accord. Deuxième chose, est-ce qu'il a fini sa peine de sûreté? Oui, parce qu'il n'avait pas de peine de sûreté au départ. Est-ce qu'il a indemnisé ses parties civiles? Oui. On va ensuite regarder son projet de vie futur. Est-ce qu'il a un travail? Oui, il a un travail. Il a un job dans une pizzeria. Est-ce qu'il a un logement? Oui, il a un logement. Il va habiter chez son épouse. Tout ça est vérifié en amont par des policiers ou des gendarmes ou les conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire qui vont aller sur place. Ensuite, on observe les expertises psychiatriques et psychologiques qui disent qu'il ne présente plus de dangerosité, qu'il peut sortir. On demande l'avis de l'administration pénitentiaire, soit le directeur, soit les surveillants qui sont les mieux à même de dire comment il a évolué. L'administration pénitentiaire pour Patrick Gâteau donne un avis très positif. Donc, la décision finalement des magistrats de le remettre en liberté, elle n'a rien d'extraordinaire. Au vu du dossier, elle est logique. Le 9 juillet 2003, Patrick Gâteau sort donc libre de la centrale d'Ensisheim. Le dossier ne pouvait pas être mieux que ce qu'on pouvait avoir, puisque je me souviens très bien que certains surveillants, ou en tout cas les personnels de l'administration pénitentiaire, m'avaient dit que si quelqu'un présentait un bon dossier, c'était bien lui. Et si quelqu'un méritait à ce moment-là la libération conditionnelle, c'était bien lui. Un avis favorable, appuyé par l'expert psychiatre qui note que Patrick Gâteau a su mener une intéressante réflexion et réfléchir à sa place dans la société. Il faut dire qu'entre ces 2 demandes de libération, Patrick Gâteau a commencé à reconnaître sa responsabilité dans le meurtre de Jeanine Brandley.
nous incitons les condamnés longue peine à faire tout un travail de réflexion sur eux-mêmes, sur les actes qu'ils ont commis. Et d'après mes souvenirs, il avait réussi quand même à mener une réflexion intéressante sur les faits qu'il avait commis précédemment, sur lesquels il acceptait de parler, en disant effectivement qu'il reconnaissait sa culpabilité, sa responsabilité, et qu'il avait bien évolué pour ne plus, évidemment, en arriver à recommettre les mêmes faits. Malheureusement, la réalité nous a prouvé le contraire. À sa sortie, Patrick Gâteau travaille dans un restaurant en Alsace, comme homme à tout faire. Le détenu modèle devient un employé modèle sous l'œil vigilant de son patron. J'ai essayé de le piéger deux ou trois fois, ouais. Ah, ouais. Bah, surtout, on finissait la boîte, elle finissait à 4 heures du mat, le ménage était fait que le lendemain, par une femme de ménage, et lui, comme il avait les clés, il rentrait pour voir s'il n'avait pas oublié d'éteindre les projecteurs, des trucs comme ça, ou les clims. Et il y avait souvent de l'argent sur les tables, jamais, jamais bougé. Et il avait les clés de la caisse. Parce que les caisses, je faisais moi le lendemain matin. Jamais manquait un franc. Patrick Gâteau s'est installé avec sa femme dans un petit village près de Mulhouse. Il respecte scrupuleusement son suivi judiciaire. Il honore tous ses rendez-vous avec le service de probation des peines et continue sa thérapie avec un psychologue. C'est un modèle de réinsertion. Bien sûr, ses premiers pas d'homme libre ne sont pas simples. Ses 15 ans de prison l'ont marqué. Je l'ai emmené dans les grandes surfaces, il était perdu, déboussolé, et transpiré même. Tellement qu'il avait une petite angoisse en lui, en voyant tout ce monde. Il avait des craintes, parce qu'il regardait toujours en arrière, encore les trucs, les passés de la prison. Et regardait toujours sa montre. Elle dit « Jackie, il faut rentrer ». J'ai dit « Non, t'as pas besoin de rentrer. T'es dehors, hein, t'es plus en prison. Hein. » La prison lui colle à la peau. Gâteau a du mal à se poser. Au bout de 6 mois passés en Alsace, il annonce à son patron qu'il s'en va. Il m'a dit « Maintenant, il faut que je bouge. Je suis désolé, j'aime bien être ici, mais... » Riedisheim, tout ça, c'est un peu la ville. Hein. Et puis il a dit, je vois maintenant, je sais pas comment il a eu l'adresse, et il est parti. Patrick Gâteau a besoin de bouger. Il obtient l'autorisation du juge d'application des peines de quitter l'Alsace. Avec sa femme, il s'installe en Seine-et-Marne. Il a trouvé du travail dans une ferme. Le couple s'installe à Rebais pour se rapprocher du fils d'Annick. Mais après quelques mois passés à la ferme, Gâteau se retrouve au chômage. Et il cherche désespérément du travail. Et il me dit, monsieur Antenois, je viens vous voir pour vous demander du travail. Et il me dit, je sais que mon parcours n'a pas toujours été cohérent. Et j'ai même fait des erreurs graves. Mais bon, je pense avoir payé. Mais il n'en a pas trouvé. Je reconnais qu'il a galéré certainement pendant un moment. Alors il faisait des petits boulots comme ça, des jardins par-ci, des tontes par-là, etc. Mais... chez toutes les personnes chez qui il est allé, manifestement, ça s'est bien passé. Pas de travail fixe. Gâteau est désœuvré. C'est vulgaire ce que je veux vous dire, mais j'ai l'impression qu'il s'emmerde. Non, c'est des merdes. En fait, il connaît personne. Il est vécu un petit peu comme un étranger. Et donc, déjà qu'il ne parle pas beaucoup de lui-même, donc on est proche de l'exclusion. C'est là que Patrick Gâteau rencontre un autre homme à la dérive, Serge Maté. Dominique Rizet, comment est-ce que Serge Maté et Patrick Gâteau se sont rencontrés ?
Gâteau a épousé une femme qui a un fils, et Mathet est le voisin de son fils. Voilà. Mathet, c'est quelqu'un qui est décrit par tout son entourage comme un type gentil, calme, non violent, mais quelqu'un qui est facilement influençable. Ça va avoir de l'importance. Il est quasiment inconnu des services de police, toute petite histoire dans son passé. Il est maçon, il est en arrêt de travail, il est criblé de dettes, il doit 20 000 euros à gauche et à droite. Au moment où ils se rencontrent, Gâteau est à peu près dans la même situation. Pas de boulot, besoin d'argent, et il a commencé à remettre le doigt dans l'engrenage de la transgression des règles. Pas des trucs très graves, mais quand même, il conduit sans permis. Il s'est bagarré avec son beau-fils, ce qui peut être un vrai problème pour quelqu'un qui est en conditionnel, ça peut le renvoyer en prison. Et puis, il détient des armes. Mmh. Hein? Il a des problèmes financiers. Ils vont s'associer avec Mathet dans une espèce de business pour monter des coups, des cambriolages. Mais ça va foirer à chaque fois, jusqu'à ce 2 juin 2005, où ils vont croiser la route de Nelly Kremel. Nelly, à qui les deux hommes ne laisseront aucune chance. Patrick Gâteau vient de replonger. Moi, personnellement, j'y crois pas. À moins qu'il cachait son jeu, qu'il était hypocrite. Qu'il était hypocrite, sournois, qu'il mentait. Alors là, c'est grave, hein. Il a trahi tous les gens qui l'aimaient bien. Beaucoup de gens avaient accordé leur confiance à Patrick Gâteau. Personne n'a vu venir quoi que ce soit. Très franchement, c'était un dossier sans risque. Personne ne pouvait se douter que Patrick allait récidiver. Personne, même pas lui. Même pas lui-même. Qui pourrait prévoir une récidive? Qui? Je défie quiconque, même les experts psychiatres les plus pointus, je les défie de pouvoir prédire à l'avenir et de savoir ce qui peut se passer dans la tête d'une personne. Si l'on connaissait ce qu'il y a dans la tête des accusés, si l'on pouvait deviner quel serait demain leur destin, bien sûr qu'on pourrait regretter, mais je dirais les choses seraient faciles. Si on pouvait sonder les reins et les cœurs, quel serait le mérite du juge? Ou plus exactement, où serait la difficulté et la noblesse de juger? Maître Martial, vous êtes l'avocat de Patrick Gâteau. Je vous pose la question tout de go. Est-ce qu'il y a eu des défaillances dans le suivi médico-psychologique de Gâteau? Est-ce qu'on aurait pu voir, au fond, qu'il était sur le point de récidiver? Moi, je considère que c'est impossible. Patrick Gâteau représente vraiment le personnage qui, à l'intérieur de la détention, est quelqu'un d'adapté. Certains ont même dit suradapté. Il est en parfaite harmonie avec le monde carcéral qui ne lui offre pour sortir que deux obligations. L'obligation de présenter une vie en apparence stable pour l'avenir et d'avoir une obligation de travail. Et chaque fois que ces obligations lui sont imposées, il les remplit. C'est vrai qu'on a dit qu'il était suradapté à la prison, ce qui veut dire qu'il s'y sent en sécurité ou qu'il s'y sentait en sécurité. Moi, je pense que c'est la sécurité qui, pour lui, est le symbole de cette détention. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet univers, dès l'instant où il n'a pas de violence physique à subir, ne parlons pas de la violence morale, il sait qu'en restant à sa place, il ne peut rien lui arriver. Mais du coup, est-ce que cette récidive pourrait être interprétée comme un acte manqué pour retourner à la sécurité de la prison? J'irai pas jusque-là. Parce qu'il y a d'abord une histoire sentimentale qu'il noue à l'intérieur de la prison, alors qu'il s'y trouve avec cette dame qui lui écrit et qui va devenir son épouse. Donc là, il y a quelque chose, tout à coup, pour la première fois sans doute de sa vie, l'envie de créer une relation et l'envie de bâtir une vie. Et l'envie de vivre à l'extérieur. Et l'envie de vivre à l'extérieur, mais pas plus. Je crois qu'il est en réalité handicapé de la vie et que presque amputé, parce qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe à l'extérieur.
les obligations, par exemple un compte bancaire, par exemple regarder le voisin sans y voir un éventuel ennemi ou quelqu'un qui va l'empêcher de vivre, tout ça, c'est apprendre la liberté. Comment a-t-il pu apprendre la liberté? Moi, j'en sais rien. Je suis persuadé qu'il n'a jamais su ce qu'était la liberté. Patrick Gâteau retourne en prison, mis en examen pour le meurtre de Nelly Crémel. Ça fait peur et puis c'est consternant. Quand on est assassin, on ne devrait pas pouvoir se balader comme ça. Ben on se pose la question, pourquoi était-il dehors? Donc là, j'ai mon fils qui m'accompagne en vélo parce que j'ai peur de courir maintenant. C'est à ce moment-là, alors que l'émoi de la population est à son comble, que la polémique éclate. Encore une petite phrase de Nicolas Sarkozy qui déclenche une tempête. Et cette fois, ce sont les magistrats qui sont furieux. Le ministre de l'Intérieur a en effet déclaré que le juge qui avait remis en liberté le meurtrier présumé de Nelly Crémel, cette femme tuée pendant son jogging, eh bien ce juge devait payer pour sa faute. Le juge doit payer. Alors les journalistes traquent le juge Anne, ce juge d'application des peines qui a cautionné la libération de Gâteau. Le ministre de l'Intérieur l'attaque publiquement, mais il mettra 4 ans avant d'accepter de parler. J'ai une phrase qui revient dans ma tête, il faut faire payer le juge. Mais quel juge? Quel juge? Ma première réaction à ce moment-là était une totale incompréhension. Ensuite, j'ai très mal compris, accepté la façon dont un homme politique avec des responsabilités importantes au niveau de l'État, encore plus importantes maintenant, était capable de mettre en cause un seul magistrat sans chercher à comprendre si la loi avait été appliquée, dans quelles conditions la loi avait été appliquée et la façon dont les choses s'étaient déroulées pour amener à cette décision favorable. L'USM, le syndicat majoritaire chez les magistrats, monte au créneau et soutient le juge, au motif que le ministre de l'Intérieur ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Ces magistrats vont jusqu'à interpeller le président Chirac, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, il saisit le président de la République, ça n'arrive pas tous les jours. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy se retrouve... je pense en accord avec l'opinion publique, mais contre le ministre de la Justice, Pascal Clément, un peu Dominique Perben, qui fait 2-3 déclarations, et surtout contre Dominique de Villepin, le Premier ministre, et Jacques Chirac. La réponse du Premier ministre est cinglante. Dans notre démocratie, il y a un principe fondamental. C'est celui de l'indépendance de la justice, c'est celui de l'indépendance des magistrats. Et rien ne saurait mettre en cause cette indépendance. Alors on me dit que je mets en cause l'indépendance de la justice. Oui. Mais c'est une plaisanterie. J'ai mis en cause quelle indépendance? Je dis simplement que quand on se trompe au point où se sont trompés ces trois magistrats, ça peut arriver. Mais il faut quoi? Que le Conseil supérieur de la magistrature prenne des sanctions? Je voudrais te poser une question aux Français qui nous regardent. Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un responsable politique de poser des vraies questions? De lancer ce débat. Et le scandale, est-ce qu'il vient de la part de celui qui lance un vrai débat ou de ceux qui se sont trompés au point de se trouver devant la catastrophe auquel nous sommes confrontés? C'est un remarquable communicant. Il sait qu'il va y avoir l'émoi. C'est une jeune femme qui fait son footing, des enfants, mariés, quelqu'un. Donc le processus d'identification à la victime de beaucoup de citoyens va jouer. Il a fait du domaine du droit pénal, de la sécurité, de la récidive, un argument de campagne et de publicité pour son action politique dans une perspective que tout le monde connaît dans le pays, perspective des élections présidentielles. Les élections de 2007 qui doivent avoir lieu dans 2 ans. Mais qu'est-ce que vous répondez à la colère des magistrats aujourd'hui? Je réponds à la colère des victimes. Pardon. Elle me paraît plus importante. La famille de Nelly, elle, refuse d'entrer dans la polémique. Nous ne voulions pas participer
à cette récupération politique de cette affaire qui était une affaire privée, douloureuse pour mes clients. Moi, je me plaçais du point de vue de mes clients. Et c'est vrai que nous nous sommes tous entendus pour ne pas communiquer. C'est pourtant à partir de l'affaire Gâteau que le candidat Sarkozy construit sa future politique pénale. Rétention de sûreté, peine plancher, le candidat veut aller plus loin dans la lutte contre la récidive. Cette affaire a été utilisée pour présenter un nouveau projet de loi, pour durcir un certain nombre de conditions carcérales. Mais est-ce que ça sert à ça? Enfin, est-ce que les politiques sont là pour ça? Est-ce que les politiques sont là pour satisfaire systématiquement la réaction de l'opinion? Maître Martial, évidemment, vous avez rencontré votre client Patrick Gâteau à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il se retrouve au cœur d'une polémique politique sur la récidive? Il a l'impression de devenir le symbole de la récidive. Il ne comprend pas qu'on puisse s'agiter de cette manière autour de lui et en faire un symbole. Moi, Gâteau, un symbole de quoi? Un symbole d'une vie foutue, d'une vie fracassée, d'une vie gâchée, d'accord. Mais devenir le pivot de la réflexion politique, il comprend rien du tout, rien. Et il me dit, c'est dégueulasse. Ça intervient, ça, dans votre stratégie de défense à la veille du procès? Bien évidemment qu'on va en parler, hein, qu'on va s'en servir en expliquant que, décidément, la justice, elle ne doit jamais s'adosser à l'émotion de l'opinion publique. Déjà, le fait criminel en lui-même est quelque chose qui nous fait trembler, qui nous fait réfléchir les uns et les autres. On n'a pas besoin du message politique derrière qui vient s'y adosser de manière tout à fait artificielle. Ça nous a semblé, à nous, à la fois caricatural et puis, allez, mesquin. Juin 2008, Nicolas Sarkozy est président de la République depuis un an. Et c'est dans ce contexte que le procès de Patrick Gâteau et de Serge Maté s'ouvre devant la cour d'assises de Melun. Patrick Gâteau, chemise blanche ouverte sur chaîne en or. Et son complice, Serge Maté, la tête baissée. Face à eux, le mari de Nelly Crémel. Depuis les faits, Gâteau et Maté ont manifestement pris leur distance. À l'audience, il n'y a pas d'ensemble qui tienne, justement. Et puis parce que la défense de chacun est dans des rails qui sont, alors là, pour le coup, parallèles, où il n'y a vraiment plus aucun croisement. Comme l'avait raconté Christian Gay 18 ans plus tôt, au moment du meurtre de Jeanine Brenley, Serge Maté dit avoir agi sous la pression de Patrick Gâteau. Et c'est tout l'enjeu de l'audience. Déterminer le rôle de Gâteau dans l'enlèvement et le meurtre de Madame Crémel, alors que l'instruction n'a pas démontré qu'il avait porté les coups mortels. Face à la cour, c'est Serge Maté qui prend la parole en premier. Il raconte que ce 2 juin 2005, ils ont erré plusieurs heures sur les routes de Seine-et-Marne à la recherche d'une maison à cambrioler. Dans leur coffre, il y avait un pistolet et un fusil. À 25 km de Reuil-en-Brie, les deux complices s'arrêtent devant une maison isolée. Mais le plan tombe à l'eau. Un gros chien les dissuade d'aller plus loin. Alors Patrick Gâteau et Serge Maté se mettent à nouveau en chasse. Ils roulent au hasard. Et peu après 10 heures, ils croisent Nelly Crémel en train de courir. Patrick Gâteau aurait dit à Serge Maté, c'est elle. Elle avait une banane, ils ont imaginé visiblement qu'elle pouvait avoir quelque chose dedans, et donc ils ont décidé de la braquer pour tenter de la voler. Nelly Crémel n'a pas remarqué la voiture qui vient de la dépasser. Gâteau et Maté vont l'attendre un peu plus loin, cachés derrière les arbres. Quand la joggeuse arrive à leur hauteur, les deux hommes surgissent.
armé. C'est Maté qui va lui poser la main sur la bouche en lui disant « faut pas avoir peur, faut pas crier », et qui va la faire monter dans la voiture de son côté à lui. À ce moment précis, le sort de Nelly Kremel est scellé. Quand vous décidez d'enlever quelqu'un en pleine rue, même si c'est une route de campagne, que vous ne vous protégez pas le visage, que le véhicule vous appartient, que les plaques d'immatriculation ne sont pas cachées, et que vous êtes muni d'armes, on a quand même tout lieu de penser que dès le début, on s'est dit qu'on ne laisserait pas de témoins de ce qu'on va perpétrer. Mais Gâteau et Maté ont toujours leur idée de cambriolage en tête. D'autant que Nelly n'a pas d'argent sur elle. Ils décident alors de se rendre chez elle. En arrivant dans le lotissement, Nelly tente désespérément d'attirer l'attention des voisins. Dans la voiture, elle va faire un signe à quelqu'un, mais la personne va se méprendre sur le sens du signe. C'est difficile d'alerter dans ces conditions-là. Il y a du monde autour, donc ils se disent on va pas pouvoir perpétrer ce cambriolage tranquillement, et ils se disent bon, on s'en va. Les deux hommes reprennent la route avec leur victime. La voiture s'enfonce dans un chemin forestier. Nelly Kremel tente une nouvelle fois de sauver sa vie. Elle va négocier avec eux, ça c'est Serge Maté qui va nous le dire. Dans les bois, elle va négocier, elle va dire qu'elle ne dira rien, qu'on la laisse partir. Qu'elle avait une fille, qu'elle était mariée, qu'il ne fallait pas lui faire de mal, etc., que ça ne valait pas le coup. Dans la forêt, tout s'emballe. Gâteau tend le fusil à Serge Maté et lui ordonne de tuer Nelly. Comme il ne bouge pas, Gâteau menace Maté avec son pistolet. Alors Maté tire. Gâteau hurle « Encore, encore !» Nelly Kremel reçoit la deuxième décharge dans la main. Elle se met à pleurer. Gâteau hurle « Fais la terre !» Alors Maté la frappe avec un rondin de bois. Gâteau le rejoint avec le fusil. Ensemble, il la roue de coups. À la cour, Maté raconte que le pouls battait encore et que c'est lui qui a achevé Madame Kremel. Je pense que la violence des coups est à la hauteur de l'incapacité de Serge Maté à faire face à la situation. C'est-à-dire que quand on a peur, on fait les choses le plus vite possible, le plus fort possible pour se débarrasser de la situation. Je crois que c'est pour ça que les coups ont été d'une telle violence. Face au juré, Gâteau tente de faire croire qu'il n'a eu qu'un rôle mineur, que la situation lui a échappé. La même défense que devant la cour d'assises de Lyon, 18 ans auparavant. Lors de l'audience devant la cour d'assises, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais si on entend votre version, si on prend votre point de vue, la situation dérapée, elle vous a échappé. Si vous étiez une troisième fois dans une situation identique, qu'est-ce qui se passerait ?» Et la réponse qu'il m'a faite, c'est « Peut-être la même chose, madame. » Au moment de plaider, l'avocate de la famille de Nelly dira « Patrick Gâteau, vous n'êtes pas un monstre. C'est votre acte qui est monstrueux. » Au procès, il y a un moment extrêmement fort, c'est le témoignage de M. Kremel et le témoignage de sa fille. Vous pouvez nous raconter, si vous avez un souvenir de ce moment-là ? L'audience est difficile, je crois que tout le monde peut l'imaginer. Et puis vient le temps de la parole des parties civiles. Et donc on a M. Kremel en face de nous depuis le début de l'audience, un homme distingué qui s'est exprimé déjà avec un langage humain. Et puis tout d'un coup, la fille de Nelly, elle arrive, jolie jeune fille, et elle a déjà, première image, les créoles de sa mère. Les boucles d'oreilles. Elle les a. Et elle va bien évidemment raconter les dernières heures de sa vie avec sa maman.
Et alors, la veille, je pense qu'elles se sont accrochées, comme une maman et une adolescente peuvent s'accrocher. Et elle s'en va le matin et elle lui écrit « Maman, t'es pénible. » Et puis plus loin, « Mais je t'aime. » Et des cœurs partout. Là, elle nous a donné la mesure de tout. Elle nous a donné la mesure de sa douleur, de son chagrin perpétuel. Et elle nous a donné, en même temps, la mesure de la place qu'on devait avoir, nous. Je parle de ceux qui sont assis au banc de la Défense. Dans la bouche de M. Crémel et dans la bouche de leur fille, il n'y a pas de haine à l'égard de votre client. Stupéfiant. Ni haine, ni vengeance. Pas un mot. Confiance absolue dans l'idée de justice, dans le travail qui allait être fait par la cour d'assises pendant cette longue semaine, et le respect vis-à-vis de nous. Votre client, comment il réagit face à cette sagesse des parties civiles? Il est comme nous, hein, il a les yeux qui piquent, et il y a une larme, hein, qui s'apprête à dégringoler, hein, et il a la tête baissée. Il est humain, à ce moment-là. Quels peuvent être les mots de l'avocat de la Défense face à un crime aussi inutile et sauvage? Moi, je suis devant lui. Je suis le dernier rempart. Et moi, j'avais des choses à dire. Parce que dès qu'il est né, Patrick Gâteau, il a été violenté. Il n'a été confronté qu'à la violence. Alors vous savez, à partir de cet instant-là, les mots, ils viennent tout seuls. Et on peut espérer pouvoir avoir des phrases jolies aussi, pour rendre compte de ce que peut être la vie d'un garçon qui va se bâtir de cette manière-là. Il ne se bâtit pas. Il se déstructure au fur et à mesure que les jours passent. Des arguments auxquels la cour d'assises ne sera pas sensible. Le 18 juin 2008, Patrick Gâteau et Serge Maté sont condamnés à de très lourdes peines. En justice maintenant, réclusion à perpétuité pour Patrick Gâteau et 30 ans pour son co-accusé, c'est le verdict. Pour la première fois, Monsieur Crémel sort de sa réserve. L'assassinat de mon épouse tel qu'il a été mené est atroce. Elle a vécu des souffrances atroces. Donc il est normal que les gens soient lourdement condamnés. Et c'est ce que l'on attendait de toute façon. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que de tels drames ne se reproduisent pas. Depuis 2005, de nouvelles lois ont été votées pour lutter contre la récidive. Aucune d'entre elles n'aurait changé quoi que ce soit au destin de Nelly Crémel. Je ne vois pas ce qui, dans les lois qui ont été votées à la suite de ces affaires, aurait empêché ce qui est advenu. C'est-à-dire que Patrick Gâteau aurait été remis en liberté parce que les conditions s'y prêtaient et que s'il avait rencontré Serge Maté, c'est-à-dire la personne dont il savait qu'il pouvait la manipuler, les choses auraient eu lieu de la même manière. Rien n'aurait changé. Quant au juge Anne, le juge montré du doigt par le ministre de l'Intérieur, il reste aujourd'hui hanté par cette affaire. C'est presque une confidence que je vous fais. Mais quand on me parle de l'affaire Crémel, qui n'est même pas l'affaire de M. Gâteau, j'ai imprimé dans ma mémoire, dans ma tête, la photo de Mme Crémel. Je l'ai imprimée à vie. C'est tout ce que je peux vous dire. Patrick Gâteau est toujours marié à Annick, la femme qu'il avait épousée en prison, une prison qu'il a retrouvée cette fois pour de très longues années. Il pourra demander une libération conditionnelle en 2027. Il aura 70 ans.